tranquille. Ah, cette musique. Alors. Chocolaté. Ah oui, c'est le siège. Je me dis, mais merde, qu'est-ce que je vois? Le journal. Ah merde, je l'avais déjà lu. Y'a pas de doute, c'est vraiment le journal du jour. Alors, c'était quoi le... J'adore la musique. Elle est bonne, ça, faut que je l'annonce. Comment ça, accès refusé? Oh, ça commence. D'abord les emails. Alors, J. Earth malade. Mais pourquoi il y a quelqu'un qui court? J'entends quelqu'un courir. J. Earth, A. E. Todd, sujet malade. Je ne me sens pas très bien et je crois que je vais rester au lit demain. Mais on se fera cette revanche au billard quand ça ira mieux. Johnny, sans H. Alors, de pub terminal 2 pour E. Todd. Sujet, petit message. Kylian m'a montré ce truc qu'ils ont piqué à Liberty en même temps que l'Ambroisie. Il me l'a passé comme si je savais quoi en faire. Je veux bien le charger à bord de l'avion, mais ensuite il faut que je retourne au quai pour voir ce qui se trafique là-bas. Joa n'est pas dans les parages, alors rends-moi service. Dis-lui que le code du boîtier est gravito-électrique. Dans lequel j'ai mis ce machin et 9905. Il sait peut-être quoi faire avec. Les autres abrutis ont déjà du mal à se rappeler qu'il y avait leur date de naissance. Alors un code. Et dit à Junger de se manier le cul. On n'a pas que ça à foutre le décœur. Sur spécial. On tire dessus. Actif sur un téléphone. Ah, j'avais un numéro de téléphone.
tac, 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 ça c'est ajouté, hop. Ok, téléphonique, blablabla, on le garde. Ah, sympa. Je peux donc m'amuser à appeler l'intéressé. Merde, putain, faut que je le note. Ah, les salauds. C'est trop bien pensé. Attends. J'ai l'impression qu'ils sont là. Alors attends, 6, 6, 5, 8, 0, 6, 5, 8, 0, 6, 0, 5. Comme rigolo. Du coup, ça fait quoi? Non. It's Paul's brother. Kill him. We can't take the chance. I can talk to him. Just get out of there. We lost the shipment, but you can still bring me a sample. A few milliliters is enough. Trust me. He'll come over. Yonatko has a habit of over-indoctrinating their agents. It'll backfire. Just like with Paul. This socket is being monitored. Signing off. J'ai entendu une conversation interdite. Ok, c'est vraiment ni taupe ni d'espion, génial. Et je l'ai dans mes notes. Merde, putain, je déteste quand la fenêtre saute. Ah, ça m'agace. Non, mais arrête de bugger, bordel. Oui, je l'ai. Contact. JC Danton. Oui, mais c'est pas moi, en fait. Johan. C'est le frère de Paul. Oui, c'est-à-dire moi, en fait. Tété. C'est qui Tété? Tuez-le, je ne veux prendre aucun risque. Je pourrais essayer de lui parler. Pas le temps. Tentez-vous de partir au plus vite. Nous avons perdu la cargaison. Mais vous pouvez toujours me rapporter un échantillon. Quelques millilitres suffiront. Faites-moi confiance. C'est qui, Joanne? Faites-moi confiance. Je saurai convaincre. Mais n'êtes quoi à la mauvaise habitude de surendoctriner ses agents? Cela va se retourner contre elle, comme pour Paul. Quelqu'un a pris une conversation, je coupe la connexion. Alors là, j'ai réussi un casse. Ah, y a que ça? Oh! I saw somebody.
I got this. This guy wasn't just a grunt. What's going on? Je suis mort au pied d'une... d'une cellule bioélectrique. Une cellule biotruc. Something moved. Take him out. Ridicule. Ma matraque était plus prête. Si je l'attaquais à coups d'extincteur. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non! Oh, j'aime pas quand ça saute, c'est chiant. Ouais, bah du coup je peux recommencer, ça a flingué mon... Ça a flingué mon action. Bonjour monsieur, hein? Service d'étage. Vous aussi, vous aimez notre service d'étage. Oh, 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 oh. Je pensais l'avoir en 4 coups, pas en un seul. Oh la vache. Je l'ai défoncé. Oh merde. I know I heard something. These guys aren't so tough. C'est ridicule. Un pilote qui est en tétanie. Ah, c'est trop con. Ah, mais il y a un truc. Ah non, je croyais qu'il y avait un truc dans l'armoire. Dans le meuble. Ah, c'est trop drôle. Ce qui joue contre moi, c'est que ma matraque électrique, elle est pas... Merde, j'ai pas pris l'extincteur. Ah bah attends, si je l'ai. Quiet, hein? Ah non! Oh, bug de collision, je me tape la porte, c'est nul.
something moved. This guy wasn't just a grunt. What's going on? What's going on? What's going on? Dee-dee-dee-dee-dee. What's going on? What's going on? Je suis en train de réfléchir. Même les grenades, je crois que je peux les poser en... Faut que j'essaye. Comment il a fait pour me buter, lui? J'en reviens pas. Who was that? I didn't see a uniform. Non mais sérieux? Sérieux? Bon, moi ça me fait une garantie là. Ah, mais je m'en fous. Oh là là là, mais je m'en fous de ça. D'ailleurs, c'est con, mais si je tombe sur un Mickey, autant que je gaze. Him. Ah, je t'ai pas... D'où il est sorti? This is what I signed on for. Il m'est passé dans le dos, ça, con? Il y a des moments, je piche plus. Thank you.
first. Ah oui. Oh, accessoire porté. Fléchette. Ok, combat, je m'en fous. Ah ouais. Ça, je le jette. Parce qu'il y a le manteau. Pas te déranger. Merci. Ah, c'est en lubrifiant le canon avec un fluide synovial cinétique. Le frottement subi par le projectile est largement atténué, résultant une portée plus longue. La portée d'un lance-lame ou d'un fusil plasma peut également être étendue en passant du lubrifiant synovial sur le système de valve principal, puis en exerçant une pression démesurée sur le système de mise à feu. C'est une petite astuce que j'ai apprise au cours des essais sur le terrain. Précise Sam Carter. Oui, bah, je veux plus de portée avec mon arbalète. Putain, elle va être complètement craquée, mon arbalète de poing. Voilà, je suis déjà à plus 13 de précision. Je suis passé de 60 à 73%. Je crois que je l'ai amélioré 3 fois la précision, si j'ai pas de conneries. Là, je viens d'améliorer la portée. Je suis passé de 50 pieds à 55 pieds. Génial. Et portée à max de 100 pieds à 110 pieds. L'arbalète miniature a été spécialement conçue pour les opérations d'espionnage et peut utiliser diverses fléchettes normales, anesthésiantes ou incandescentes qui peuvent être chargées au cours des missions. Et là j'ai les fléchettes anesthésiantes, mes favorites. Des fléchettes d'arbalète miniature enduites d'une variante diluée de riacine qui blesse grièvement les cibles molles avant de se dégrader en composant d'organite indécelable par la plupart des tests de dépistage toxicologique. Oh oui! Putain, j'ai 18 codes, excellent. J'ai pas d'image, rien, il me transfère pas de données. Je suis à l'aveugle. Oh mon dieu. Bon. Je suis très content. Infocube, Erin, les barils d'ambroisie sont arrivés et le premier est en train d'être chargé à bord de l'hélico. Les autres sont acheminés par bateau et avion. On peut ainsi espérer en récupérer un intact à l'arrivée. Retrouve-nous si tu le peux à un des points d'embarquement ou sur la position de repli en cas d'imprévu. Tu as fait beaucoup pour la cause et tu peux être fier de toi. Maintenant, sois prudent et disparais. Ok. Thank you.
Je me suis enfermé. Encore que j'avais peut-être les codes, tu me dis ça. Attends voir. Je crois pas. Mais j'avais peut-être les codes. Non. Non, non, je suis entubé. Faut surtout pas que je referme la porte. Ah, trop drôle. Je sais plus. Ah oui, j'avais plus d'extincteur. C'est la... Non, non, c'est un mystère, ce truc. Pourquoi sont-ils excités? Non mais c'est une blague. Franchement là ça faisait blague. Non mais si je fais ça j'alerte l'autre. Mais c'est trop tentant. Hein. C'est l'alarme après. Trop drôle. Ils arrivent à me repérer, c'est con.
alors je bute le mec. Une seule flèche ? Oh, c'est pas beaucoup. Oh, un terminal. Là, on est dans un uniforme. Ah, intéressant. Putain, je rêve. Ah si, il m'a vu. Oh, bien alors. Ah oh. Putain, le con, il s'est tué tout seul. Ça, c'est fortiche. Always a tea soda. Always a chocolate. Allez, putain, mais magnifique ce meuble. Comment ça verrouillé? Ah! Un passe-partout. Oh, ça vaut le coup, ça. Oh, tu me diras, j'en ai plein des passe-partout. Allez, on se fait plaisir. On se fait plaisir. Oh! Oh! Oh, c'est plaisir. Allez, 100. Oh! 75, parce que ça vaut vraiment un passe-partout. Ça revient à scier la branche sur laquelle on est assise. Hein? Pas de place pour le pare-balles. Je suis pas censé me faire tirer dessus. J'adore les extincteurs. Tant pis.
Alors j'ai pas compris. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il me repère. Écoute, pour si peu de crédit, je renonce. Mais qu'est-ce que c'est, peut de la résistance, vu c'est une explosion, je peux pas frapper 25 fois et ça marche. Minimum 14 ou en minute 14 minutes. Enfin, je frappe le truc pendant 14 minutes pour avoir 20 ans. C'est chiant. Le gameplay le plus chiant possible. It's not possible. C'est pas sérieux. Oui, bah tant pis pour le... Il est où le mec qui m'a repéré? Par principe de précaution. Mais non, mais quel con. Ah, Medikit! Mais oui, le pire c'est qu'on le voit dans le... dans l'image de chargement de niveau. Ça, j'aurais loupé un Medikit. Je m'en serais voulu. Mais oui, l'école est finie. Ah, ah, cet enthousiasme. C'est lui qui m'a vu, je crois. Effectivement. Tout s'explique. Pas vu. Là, ils peuvent voir, on ne peut pas voir. Ah oui, c'est vrai. Je peux pas spontanément lui tirer dessus. Ah, inondation saisonnière réduite. APR Londres, Royaume-Uni. Un article récemment publié par le trimestriel de la Société Royale de Météorologie affirme que les inondations saisonnières consécutives à la fonte de la cape glaciaire seront beaucoup moins importantes cette année en raison d'un hiver inhabituellement froid dans l'hémisphère nord. L'auteur principal de l'étude, Tammy Bright, professeur de climatologie à l'Université d'Oxford, prédit que les marées ne monteront pas plus d'un ou deux mètres en moyenne dans la plupart des villes principales d'Amérique du Nord, d'Europe, de Russie et d'Asie de l'Est. À titre de comparaison, le plus haut niveau enregistré l'année dernière à New York a été 4 mètres. Rendant nécessaire le vote de budget d'urgence de plusieurs millions de crédits pour l'achat de pompes et la construction de digues supplémentaires. Il y a de nombreuses théories sur les raisons de l'allongement de la période de gel des pôles de notre planète, mais ce que l'on peut aujourd'hui tenir
Pour établi, c'est que la densité de glace arctique a progressé de façon conséquente par rapport à toutes les autres périodes identiques de ces 5 dernières années. Oh, j'ai plein de bouquins à lire. Que je ne les ai pas encore lus. These UNATCO guys are like machines. I don't know what they are. These UNATCO guys are like machines. I don't know what they are. De sécurité de l'aérodrome ajouté au néo-sélecteur. C'est bien ça. Looks like you're on the right track. That's one of the 3 missing barrels of ambrosia. We'll be sending a team to recover it. See if you find the other 2. C'est cool.
très très cool. Oh merde, il m'a vu. Au passage. Oh, j'ai plus de l'ambroisie, touché, chabite. Oh, oh non, t'es. Oh, le snipe. Comment qu'il m'a allumé, l'enfoiré. Mais le but c'est d'attirer l'autre naze. Ouais, on espère qu'il se pointe. J'ai pas l'impression qu'il soit motivé. C'est le dernier mec qui me fait super chier. Bon, je vais essayer de récupérer ma grenade. J'ai récupéré ma grenade avec succès. Oh, putain. Je m'en fous du 10 mm. Ah, mais il y a plein de monde, juste. Oh la vache! Je croyais qu'il en restait un, mais pas du tout! Il y en a 650! Oh là là! Quelle méprise! Ah, ma camarade se charge du minerai chinois. AVR Pékin, Chine. Après l'annonce faite la semaine dernière par le gouvernement chinois de la mise en service du complexe lunaire minier Zhuhai, ce sont les représentants des industries McMoran Global Steel qui ont tenu aujourd'hui une conférence de presse sur le sujet afin de présenter le superporteur qui sera utilisé pour transporter le minerai de la Lune à la Terre. Le superporteur McMoran DM-118 est le plus grand transporteur jamais construit et le premier à opérer extraterrestre. A déclaré un Sean Murphy Radio aux journalistes. Le choix de McMoran par le gouvernement chinois est un pas en avant important vers l'épanouissement des relations économiques américano-chinoises. C'est tellement ironique dans notre réalité en ce moment. Bref, McMoran avait décroché le contrat à l'issue d'une lutte acharnée contre les industries Page, lutte portée à son paroxysme lorsque Page avait lancé sans succès une OPA hostile sur McMoran. Pardon. Alors, le nommé jeudi par GK Charleston, Syme n'avait jamais pensé à demander si le gigantesque homme qui avait presque fait s'écrouler le balcon sous son poids était ce grand président dont les autres parlaient avec admiration.
Il savait que c'était lui, avec la plus inexplicable et immédiate certitude. Syme, en effet, était un de ces hommes ouverts aux plus obscures influences psychologiques, et ce, à un degré dangereux pour la santé mentale. Totalement dépourvu de toute crainte du danger physique, il était en revanche très sensible à l'odeur sulfureuse d'un diable spirituel. Deux fois déjà, cette nuit-là, d'étranges choses insensées lui étaient apparues sans qu'il n'y prenne même garde, le guidant doucement et aveuglement dans les couloirs obscurs du palais de l'enfer. Et cette mystérieuse et puissante volonté devint de plus en plus irrésistible à mesure qu'il s'approchait du grand président. Oulala, qu'est-ce que c'est que ce délire ? J'arrive pas à lire le haut, j'attends que la note se barre. Décidément, après un journal et un bouquin, c'est le deuxième bouquin sur les trois. On y croit. Voilà. L'ombre de Jacob, par Andrew Hammond, chapitre 15. Le plus dur, c'était toujours d'attendre. Et en tôle, comme dans Le Monde, les mecs qui ne tenaient pas finissaient par se balancer d'avant en arrière dans un coin sombre. Ou alors, ils se mettaient à débiter d'incohérents glossolalies. C'était toujours pareil. Jacob était plutôt du genre à se balancer dans un coin. C'est ce qu'il fit la première fois avec une bagarre avec un mec qui ne l'avait pris pour un minable. Au bout de 48 heures, il avait commencé à crier et ne s'était arrêté que le larynx en feu et la voix brisée. Il lui avait fallu un mois pour pouvoir parler à nouveau. Un des perpètes de la tôle s'aperçut que Jacob était un peu moins tordu que les autres prisonniers et lui enseigna les échecs. Jacob ne réussit jamais vraiment à gagner le respect du vieux, mais il y trouva le moyen de ne pas verser complètement dans la folie. Il apprit non seulement à jouer aux échecs, mais aussi aux dames, au backgammon et à tous les jeux possibles. Il dut se battre de nouveau lorsque Badenjo, qui voulait se faire un nom, renversa l'échiquier de Jacob, l'insulta et plaisanta sur ses petits jeux de tapette. Jacob lui cassa une côte et s'amusa ensuite pendant une semaine à rejouer mentalement des parties de Kasparov et de Bobby Fischer. Alors, l'art de la guerre de Sun Tzu, chapitre 3, de l'usage de la ruse. Sun Tzu dit « La meilleure stratégie guerrière tend à s'emparer d'un état intact. Une stratégie inférieure à celle-ci consisterait à la ruiner. » Il vaut mieux de même que l'armée ennemie soit capturée plutôt que détruite. Il importe davantage de prendre un bataillon intact plutôt que de l'anéantir. 2. Les armes et les conquêtes ne sont pas le recours du parfait général. Celui-ci tend à briser l'ennemi sans combattre. Oula, faut que je boive, j'ai soif. Je suis pas allé fouiller le cadavre du couillon qui s'est écrasé comme un caca en tirant sur la baie vitrée sur laquelle il se trouvait. Faudrait que je rende une petite visite là. Thank you.
dommage. Mais du coup, il y a moyen. Mais il faut que je me grouille, en fait. Mais non! Oh non. J'ai mal géré mon mode courir. Ah, ça fait plaisir de l'avoir neutralisé, Mickey. Alors... Attends, je vais avoir un peu plaisir de l'observer. Ah merde, je crois que c'est un mec. Alors là, il y en a un, là, il y en a un. Putain, oui. On se recale. Excellent. Voilà.
Trop stylé. J'ai adoré. Je crois savoir qu'il y a un mec qui est là. Donc il faut que je le neutralise. Deux pour le prix d'un. Ah merde, il y en a un autre là-bas. Je les ai eu. Génial. Ils sont allés crever où ? Apparemment, j'en suis bien sorti. C'est vrai que je regarde. Voilà. Attends, je suis où là? Hein? LaGuardia, owned by Juan Ivanovich Lebedev.
We're certain, based on what you've discovered, that he's working with terrorists. Your orders are to locate and kill him. We're sending you a map of the airfield. Okay. Sous-sol d'un aéroport et je suis dans la partie souterraine de l'héliport. Ok. Waouh. C'est quoi l'image qui m'a donné? Terrain d'aviation de New York. D'accord, donc je suis dans l'hélipad moi en fait. Ok. Tour de sécurité, oui, bah, comme une prison évidemment. Le hangar énorme, un baraquement, une maison à bâton. C'est la merde. Putain, il y a du matos, c'est récupéré, mes amis. Non, sérieux? Sérieux. Qui était assommé, qui était là. Napalm! Oh putain! Trop bizarre. Ah oui, le gars qui est mort comme un caca. Ça y est, je viens de comprendre à quoi correspondent les lieux. Oui, bah tant pis, je vais me faire le distributeur bancaire. Oh! Ça va être cool. Bien, attends, ça je vais le jeter et je vais bien prendre à la place le... extincteur. Bon, je meurs de faim, je vais faire la suite de la mission après. Allez, à tout à l'heure. Tiens, je vais me laisser sur les statistiques. Attends, merde, j'ai...
merde alors.